moitié de la farine. Et la pâte, tu vas la laisser monter combien de temps? Oh, elle va monter vite. Alors, tu mets les 300 grammes là-dedans. Après, tu prends. Parce que moi, j'ai pas de mémoire. Alors, pour le lit, bon, on peut plus après. Alors, et l'os du chef. Un soupe de 20 grammes de blanché. Et je vais cuire un soupe de lit. Et 15 centilitres d'eau. I'm going to take a shot of the recipe for you. OK? Merci beaucoup. Tiens, cheese. Tu vas mettre des olives et du fromage ou du fromage? Oui, comme il veut. Olives? On n'a pas de cheese. On attend la OK, du fromage uniquement. Du parmesan aussi. Tu mets un oignon aussi? Là, il y a là-dedans, dans la sauce? Oui. Un oignon coupé en petits morceaux. Oui, OK. Donc, c'est la sauce tomate. Une boîte de sauce tomate, l'appelée. Et puis tu mets ta boîte de sauce tomate, plus que tu mets les trois quarts de l'eau pour que ça cuit. Et un peu d'oignon. De l'oignon, du basilic, du thym, du poivre, du sel, pepper, salt, tomato, a little bit of water and half of onion here. Ok? Je vais faire chauffer un petit peu. Because even the sauce is homemade. Je vais faire chauffer un tout petit peu l'eau parce qu'il faut que ça soit un petit peu chaud. So we boil the water in the microwave a little bit. Then we will make sort of léger, hein? Parce que sinon la levure elle va pas monter. So during this transition, we're going to have a commercial break for the French Navy. La levure. Yeast. Alors là-bas, là, tu l'achètes où? Ben, nous, on l'achète au magasin. Voilà. Il faut mettre la moitié d'un paquet. Voilà, ça va comme ça. C'est good, ça. Moi, j'aime bien. Good, là. D'où la petite veux. C'est bon. It's yak yeast. Et toujours mettre la levure au frigo, hein. Parce que sinon elle tient combien de temps? Merde, oublie. Mamie, je filme, tu ne peux pas dire des mots pareil. Je vais être obligé d'éditer le film. This is not good for the movie. That's how you know she's a chef. Hein? But that's not good for news and voilà. Fake news. Hmm? Fake news. Fake news. Trop chaud. Ça, c'est pas une fois l'ingrédient. Là, je coupe. Warm some water, but it's too hot. It seems to be the bottom for the reaction at the beginning. Je sais que ça chauffe vite, hein, mais je fais plus ça. Jamais attention. Ça y est. Alors maintenant, tu mets la levure. Ok. Je vais mettre à plat. Dans le frigo, non? Ouais, je vais mettre à plat. Et quoi? Là, je vais sortir et puis je vais remettre. J'espère que j'ai pas fait. Combien tu en mets? La moitié du paquet. La moitié du paquet, ça.
c'est pas à partir de 20, c'est 42 grammes. Voilà, alors ça fait 20 grammes à peu près. Mais c'est facile, grammes. Hein, Jérémy. Pas les grammes. C'est très facile, hein. Oui, c'est very easy. Once we have everything, we'll do it ourselves. Elle va monter, regarde, elle bouge déjà. Alors tu la bouges comme ça. Voilà. Alors dans la farine, tu as mis 300 grammes, tu mets du sel. Salt. Et puis tu mets ta levure. Is a young apprentice. Amazed. Looking good? Yeah. So, toi, pendant combien de temps? Attends, je vais mettre un tout petit peu d'eau parce qu'il y en a pas assez. Not enough water? Yeah. Parce qu'elle fait des grains. Téléphone, Gérard. Elle est en train de pâtisser. Elle fait la pizza. Qui c'est? La pizza napolitaine. Avec les anchois. Qui c'est? Madame Lemoine. Qu'est-ce qu'elle donne à la main? Tiens, Michel. Oui, beauté. Oui, dis-moi, Michel, ce que je veux te demander, tu sais pas, avant pour un des appareils électriques à Carrefour qui ne marchait pas, oui. Il y avait un endroit. Mais pour pas tourner la soupe. Un blender. Oui. Mais bébé, il marche plus. Il commence et après, il s'arrête. Alors, il faut que je le retourne. Il est toujours sous garantie. Mais je ne sais pas où c'est que je peux rentrer. Eh bien, tu ne l'as pas dit à Carrefour? Ils m'ont rien dit. Je ne l'avais pas rapporté encore. Mais à cause de l'adresse, avant, il y avait un bureau exprès. Ben, il faut aller. Demande déjà à la pleure, au bureau des pleurs. Là où on va se faire rembourser, hein. Voilà. Bien sûr, ils vont peut-être ils reprennent, hein. Ah oui, je vais leur demander là, voilà. Parce qu'ils commencent à tourner, puis pouf, ils s'arrêtent. Alors je vais leur retourner, puis c'est sous garantie, hein, garantie de l'an, et il n'y a pas longtemps. Eh ben vas-y. Allez, ciao. Je peux pas m'envoyer chier parce que c'est la seule personne qui me parle bien. Voilà, après tu mets de la farine comme ça, pour pas qu'elle colle. You see that, Jeremy? And window, one. C'est rien avec ton beau truc, toi tu dois faire des choses sensationnelles. C'est avec notre mixer. Voilà, tu fais ça. Piece of cake. So it's pretty strange for a piece of pizza, but it really is. Et tu la laisses. Elle va monter. Et puis après, tu la roules. Combien de temps? Oh, faut quand même une heure, hein, quand même. Donc on va arrêter le film et on va Ah oui, putain, on le fera à la fin aussi. Ouais, j'en ferai. Ouais, nettoyage.
Donc on attend une heure pour que la pâte monte. Peut-être ça pas dit de s'il fait beau. Regarde, tu vois, Jérémy, elle est réduite bientôt. Si. Tu vois, il faut qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Il faut que ça fait une pâte. The water has to be away. It has to become some kind of paste, yes. OK? Voilà, comme ça. Elle va arrêter, elle va pouvoir cuire. Ça y est, c'est fini. La pâte, c'est de la farine, du sel, de la levure et de 2 cuillères d'huile d'olive. C'est tout. Toutes tes pâtes de pizza, elles sont comme ça. Tu peux la faire avec des champignons, des asperges, avec de la... With mushroom, asparagus, tout est comme ça. Anything you want, you know, pizza, c'est la pâte de base. Voilà, c'est ça que ça cool. s'appelle. Ok, on va s'arrêter là. Don't sit on a rolling pin. Tu as toujours les grands couteaux que je t'avais donné? Oui. Tu vas t'en servir, moi. Oui. Hein? Si m'excuse. Alors, ce soir, tu prends... Parmesan. Reggiano. Italia. Je ne parle pas chez moi. Je suis désolé. Oui, merci. Bon, attends, faut qu'on goûte, nous, hein. Faut pas déconner, là, quand même. Et bon. Donc, tu fais un mélange de deux fromages? Une bande de chèvre, là-bas, au cuisinier. Moi, je suis qu'un intervenant. Demain matin, aussi. C'est un temporaire. Après celui, vous pouvez commencer, hein. Stagiaire. Ça va pas mal, hein. Donc ça, c'est le... Parmesan. Et ça, c'est le gruyère. Et gruyère. Ça, c'est bon. Ça, c'est le petit poisson comme. Oh, jamais, il en veut pas, hein, dessus. Mais non, mais on va le mettre à part. Ok, les anchois. Les anchois, les tropiques. Les tropiques. Waouh. Wow. Les olives. Donc, ouais. Les olives noires. Et puis, on dit des olives d'origine africaine. Ok. Ouais, politiquement correct. Depuis la guerre de sécession, on ne dit plus ce genre de choses. La guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Ben évidemment. Ok, Jeremy, tu es là? Tiens, mamie. Tu as le parmesan et les gruyères. Donc, tu mets comment le fromage? Tu mets d'abord après, le gruyère? On met le gruyère, puis après un petit peu de parmesan. Dessus, après la cuisson ou pendant? Non, tout de suite. Bon, viens voir que je te sonne, là. Non, je filme. Hein? Parmesan, mon frère Jérémy. Parmesan. Merci beaucoup. Fort. Tu vois ça? C'est du pain, comme du pain, regarde. Donc c'est prêt? Tu vois la doublée de volume. C'est prêt? Oui, alors tu prends la pâte. Tu enlèves les bulles, un peu. Tu partages, parce qu'il va en avoir de trop, sûrement. Tu la mets comme ça, tu fais comme ça, tu prends ton rouleau, tu mets un peu de farine dessus, mets d'abord du gras sur les plaques, la grande surtout tout de suite,
Mettre du gras? Oui, de la margarine, c'était prêt. Voilà. Faut pas avoir peur de la bouger, de la bousculer. Voilà, même encore c'est quand même, c'est quand tu fais comme ça, comme les pizzarios, là, elles se forment toutes seules, tu vois. Elles se forment toutes seules en pâte. Donc c'est la même pâte que le pain, alors? C'est le même, à part que tu as mis de l'huile d'olive dedans. Margarine ou du beurre? Non, on n'utilise pas de beurre, non. À part que tu as rien à manger au matin, moi j'en mange jamais. Et c'est pour éviter que ça colle? Oui, il faut mettre de la farine. Ah, il pas de la pâte trop quand même, on verra. Bah, je chemise. Oh, il est juste fighting. Bon, allez. You fight over butter. Done. My powder! Jenny, don't say that. Pour la rouler, tu mets un petit peu sur ton rouleau là, tu attrapes la pâte comme ça. Et tu commences par la mettre au bord là. Et elle descend toute seule. Voilà. Alors après tu lui donnes la forme que tu veux. Mais tu la fais pas cuire tout de suite parce que tu vas la faire pour pas qu'elle diminue. Parce qu'une pâte, après, elle diminue, puis tu n'auras plus qu'un petit morceau de pizza. So you don't cook it immediately. You put it in a container and you wait. Tu attends combien de temps? Pas longtemps, 10 minutes. 10 minutes. Voilà, comme ça. Et après, tu fais ça. Si tu as une plaque plate, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Surtout parce que. Voilà. En même temps, on verra si c'est froid. C'est encore proche. Il ne faut pas que la sauce tomate, elle est chaude, elle va abîmer la pâte. Bon, j'ai refait la deuxième. Mmh. On va faire une petite jambe, un petit pareil. Pour Jérémy. Do you want to make one yourself, Jérémy? Il y a un sens, non? Non. On est obligé d'y mettre les mains hein, pour faire beaucoup de temps. Ça, il peut être une merde, ce n'est pas du Arrête. Non, jamais l'écraser. Donne. Le chef. Maintenant, tu l'as écrasé maintenant. C'est comme ça. I'll never smash it. Just let it down and then we'll turn it like that. C'est le même que tout à l'heure.
You want to roll a little bit, Jimmy, this man? To see the feeling? I can imagine what it feels like. Okay. I mean, it's probably at that time we made a pie for our cookies last Yeah, it's about the same. Tu vois, pour qu'elle ait une bonne pâte, il faut qu'on puisse faire ça avec. Comme les petits hommes des pizzaïos qui font ça, qui la lancent. Tu vois, t'as vu ça? Yes. Hein? Oui. Tu voudrais défaire tout ce qu'il y a dans le four, Gérard? Oui, chef. Et mettre sur le... Oui, chef. Je le mets où? Sur la machine à laver? Ah oui. Faut pas oublier d'enlever le laurier puis le thym parce que qu'est-ce que je te laisse, une plaque ou un grill? Les deux grilles. Deux grilles. Tu vois, c'est pour ça qu'on met les mains parce que si tu le fais avec une cuillère ou une fourchette, tu vas trouver la pâte. Tu comprends? Mm-hmm. So she's using it because if she's c'est peut-être pas esthétique, mais on ne peut pas faire autrement. Spoon, you're gonna pierce. Les plaques qui sont bien, c'est quand ils n'ont pas de rebord, tu vois, comme mm-hmm. ça. Parce que tu n'as pas de rebord de pizza, tu n'as rien, tu n'as que de la pâte. Et... Ta grand-mère Bouvin, elle en faisait des pizzas, mais elle les faisait comme des tartes, hein, Gérard? Alors, t'avais comme un gâteau, quoi. Pour Jérémy. Ah bah sûrement, c'est pour lui celle-là. La petite. The small one is for you. Je laisserai un peu dans le grand.
Alors, qu'est-ce qu'on met après? On met la mozzarella. Mozzarella. On les écarte de l'un et de l'autre. J'ai vu qu'il y a un téléphone qui sonne ici. C'est pour les gens que, d'ailleurs? Non? Voilà. Je ne sais pas, Jeanne. What do you think, American chef? It looks beautiful. You're cool, huh? Il aime? You like black olive oil? Oui. Yes. Yeah. This is native American. What? Native African olive. Black olive oil. Bon. C'est bon chaud. Des fois tu voudrais en manger. Non, ça, Jeremy, non. Non, non, mais je vais pas le mettre partout. Tu puisses remanger that's a fish, but un morceau de pâte. On yours, okay? Real French. Je vais faire la moitié. What side we're gonna have? Voilà. Cette moitié-là, il n'y en aura pas. The half of the fish is the one that's gonna have it. And the small one is gonna have it at all. Okay? Alors ça, c'est des herbes de Provence. Est-ce que j'en mets ou pas? Du parmesan? Oui, merci. Du parmesan, un petit peu. Voilà. On met au four. On le met au four, mais on fait ça que maintenant, on la laisse remonter. Combien de temps? Oh bah. Tu manges? Là, le four est froid. Ah oui, on met au four, moi je mets jamais à chaud. Tu le mets combien de temps dedans? 30 minutes, mais même pas 25 à. Chez nous, ça fait 180. Donc, 6 fois 3, 18. 30 minutes à 180 degrés Celsius. J'ai plus surveillé, hein. Mais là, tu vas attendre combien de temps? Oh, ça y est, 6h30 jusqu'à 7h moins 10 par là. 20 minutes. Bon, il n'y a plus qu'à essayer. Thank you.
On y va? Il va s'en obtenir sans brûler. Pour qui ça? Pour Philippe, de prendre lui son assiette. Ça, c'est pour qui? Pour toi, si tu veux. Attends, j'ai mis terrible good. Merci. Alors, une demi-bière pour monsieur? Oui. En travers. La mousse au fond? Sur les côtés. As the point of view of the American chef. Go for it, man. I'm waiting for it. Merci. J'aurais dû faire des pizzas. Hein. Oh, you eat Paul Juice? Merci beaucoup. C'est un peu chaud, hein. Attention. Jamie. It's good. I like it. Fantastic. Very fresh. Tu peux revenir la semaine prochaine. Papi, qu'est-ce que c'est que c'est? Ça c'est. Tu vas ramasser une main. System French. Mmh.